Vous ne m'intéressez pas. C'est là une parole qu'un homme ne peut adresser à un homme sans commettre une cruauté et blesser la justice. Votre personne ne m'intéresse pas. Cette parole peut avoir place dans une conversation affectueuse entre amis proches, sans blesser ce qu'il y a de plus délicatement ombrageux dans l'amitié. De même, on dira sans s'abaisser, ma personne ne compte pas, mais non pas je ne compte pas. C'est la preuve que le vocabulaire du courant de pensée moderne du personnaliste est erroné. Et en ce domaine, là où il y a une grave erreur de vocabulaire, il est difficile qu'il n'y ait pas une grave erreur de pensée. Il y a dans chaque homme quelque chose de sacré, mais ce n'est pas sa personne. Ce n'est pas non plus la personne humaine. C'est lui, cet homme, tout simplement. Voilà un passant dans la rue qui a de longs bras, des yeux bleus, un esprit où passent des pensées que j'ignore, mais qui peut-être sont médiocres. Ce n'est ni sa personne, ni la personne humaine en lui qui m'est sacrée. C'est lui, lui tout entier. Les bras, les yeux, les pensées, tout. Je ne porterai atteinte à rien de tout cela sans des scrupules infinis. Si la personne humaine était en lui, ce qu'il y a de sacré pour moi, je pourrais facilement lui crever les yeux. Une fois aveugle, il sera une personne humaine exactement autant qu'avant. Je n'aurais pas du tout touché à la personne humaine en lui. Je n'aurais détruit que ses yeux. Il est impossible de définir le respect de la personne humaine. Ce n'est pas seulement impossible à définir en paroles. Beaucoup de notions lumineuses sont dans ce cas. Mais cette notion-là ne peut pas non plus être conçue. Elle ne peut pas être définie, délimitée par une opération muette de la pensée. Prendre pour règle de la morale publique une notion impossible à définir et à concevoir, c'est donner passage à toute espèce de tyrannie. La notion de droit, lancée à travers le monde en 1789, a été, par son insuffisance interne, impuissante à exercer la fonction qu'on lui confiait. Amalgamer deux notions insuffisantes en parlant des droits de la personne humaine ne nous mènera pas plus loin. Qu'est-ce qui m'empêche au juste de crever les yeux à cet homme si j'en ai la licence et que cela m'amuse? Quoi qu'il me soit sacré tout entier, il ne m'est pas sacré sous tout rapport, à tous égards. Il ne m'est pas sacré en tant que ses bras se trouvent être longs, en tant que ses yeux se trouvent être bleus, en tant que ses pensées sont peut-être médiocres, ni s'il est duc en tant qu'il est duc, ni s'il est chiffonnier en tant qu'il est chiffonnier. Ce n'est rien de tout cela qui retiendrait ma main. Ce qui la retiendrait, c'est de savoir que si quelqu'un lui crevait les yeux, il aurait l'âme déchirée par la pensée qu'on lui fait du mal. Il y a depuis la petite enfance jusqu'à la tombe, au fond du cœur de tout être humain, quelque chose qui, malgré toute l'expérience des crimes commis, souffert et observé, s'attend invinciblement à ce qu'on lui fasse du bien et non du mal. C'est cela, avant toute chose, qui est sacré en tout être humain. C'était le début de La personne et le sacré de Simone Veil. C'est une philosophe que je conseille à tout le monde de lire, qui est très accessible, qui est vertigineuse, parce que elle prend toujours le contre-pied de ce qu'on croit être. Elle prend toujours une valeur, et pour arriver à la vraie valeur, elle inverse, elle va passer par l'envers de la valeur. C'est quelque chose que j'arrive pas très bien à exprimer, mais si un jour j'arrive à bien exprimer ça, je le ferai. Donc voilà, ça s'appelle La personne et le sacré. Ici, c'est un très beau, une très belle collection, petite bibliothèque, Rivage Poche. Voilà, je lis, j'ai pas, bon voilà, j'ai pas lu la préface. Avec un petit oiseau et qui est sacré, des petites fleurs qui sont sacrées. Voilà, et à bientôt.